En couple depuis 17 ans, Mélanie et Franck Gonzalez sont les heureux parents de 8 enfants. Vendredi 3 septembre 2021, Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo et Cléo ont eu la surprise d'avoir un nouveau petit frère. Sur Instagram, CIST en dévoilant un magnifique cliché pris à la maternité que la mère de famille avait écrit, voici une petite photo de notre petit Marceau, une heure de vie et déjà tellement d'amour. Nous sommes tous trop fans. Petit Marceau est né vendredi 3 septembre à 7h07 pour un poids de 3 kg 320 et 50 cm. Une nouvelle vie à 10 commence. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. De retour à la maison, la star de famille nombreuse, la vie en XXL, a partagé une photo de son petit dernier, vêtu d'un cardigan blanc et d'un legging gris clair. 15 jours déjà pour mon petit Marceau. 15 jours que l'on a fait ta rencontre il y a 15 jours, j'avais hâte de rentrer à la maison pour pouvoir te présenter à tes frères et à tes sœurs. Le temps passe tellement vite, a-t-elle écrit en légende. Selon la famille Blois, également star du programme de TF1, le petit Marceau aurait déjà des traits de ressemblance avec l'un de ses parents. Impressionnant comme il ressemble à son papa, ont-ils écrit. Sous le charme, les internautes ont également été nombreux à réagir. On peut ainsi lire. Très beau bébé, bravo. Il a l'air si paisible, ça donne envie de dormir aussi bien, trop beau votre petit cœur, mais aussi, comme il est beau ce poupon. Un nouveau départ pour la famille Gonzalez. Si la famille nombreuse vient de s'agrandir, ils vivent actuellement un autre grand changement. Et pour cause, ils ont déménagé. Sur Instagram, ils ont écrit avec émotion, une nouvelle vie à 10 commence. Une nouvelle maison. Un nouveau rythme. CIST parti, nous allons écrire des nouvelles pages de notre livre. En commençant ce livre, nous allons écrire la naissance de Marceau. Rencontre, découverte, amour. Ces pages, nous allons les écrire ensemble tous les 10, une nouvelle vie, une nouvelle ère s'offre à nous. Nous allons enfin nous poser après ces 3 derniers mois de folie passée.